Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Metro 2033 Redux. Bon dimanche à vous, mettez-vous dans le noir, installez-vous confortablement. Et on va continuer, on va recommencer ce qu'on a foiré dans le dernier épisode, c'est parti. Même l'apocalypse n'avait pas réussi à nous empêcher de nous entretuer au nom d'une idéologie. J'étais sur le point d'arriver sur le front qui opposait les fachos et les communistes. On disait qu'ils s'étaient déjà fait la guerre autrefois et que les fachos avaient perdu. Donc on est reparti les amis sur le front de guerre en mode infiltration. On s'en était arrêté là. Il me semble que j'ai récupéré des lunettes de vision nocturne. En effet, ça n'a pas l'air de bien fonctionner. Mince, j'ai envoyé un couteau. Hop, faut que je me reprenne la main. Donc là on est en mode infiltration. Et nous sommes du côté là des communistes. J'ai failli tirer. Voilà. Alors on a un petit sniper silencieux. Très pratique, mais on a seulement 10 balles. On vient de récupérer des clés. Ah ok, ça n'a pas sauvegardé. Il faut qu'on retourne en bas les amis, je vous rappelle. Il faut qu'on ouvre une caisse juste ici. Et d'ailleurs, non ça on s'en fout. On n'a rien d'autre à récupérer. Hop, on ouvre. Normalement c'est des munitions. Parfait. Alors pas des munitions de sniper. Je sais pas ce qu'on a récupéré comme mune. Si je prends ça. Il n'y a pas de munitions à l'intérieur. Donc on va rester sur cette arme là. Alors, ça va être un petit peu la galère. Ça va être un petit peu la galère les amis. On doit recommencer ce qu'on a fait dans le dernier épisode. Vous vous rappelez, je me suis fait tuer hein, tout simplement. Non, je suis tombé dans le vide en fait. Je suis tombé dans le vide. Alors attendez, parce que là il y a un gars qui arrive. Il y a un gars qui arrive, j'ai vu sa lumière. Je crois qu'il arrive. Ce jeu me fait toujours aussi peur. Fait demi-tour. On va en profiter pour l'éliminer furtivement. Hop. Allez, bon dodo. Voilà. Faites beau rêve. Et on récupère les munitions. AK-47. Ça, c'est pas mal. Alors, attendez. J'ai un silencieux sur l'AK? Non. Donc, la seule arme silencieuse, c'est au sniper. Et je viens de récupérer des munitions. Très bien. On va éviter de se faire cramer trop vite. Vraiment, c'est vrai qu'on s'est fait cramer en fait dans le dernier épisode. Là, le but du jeu en fait, c'est qu'on soit vraiment très discret et qu'on se fasse remarquer à la limite au dernier moment. Est-ce que ceux qui dorment, je vais peut-être pas les tuer en vrai? Je pourrais les tuer en vrai. Hein. Bah ouais. J'aurais dû y penser plus tôt. Ça nous évitera de... Tu vois? Voilà. Dormez bien. Comme ça, ils pourront pas me faire trop de mal. Alors. Donc, pas le choix. On doit aller par là. Là, on a quelque chose. Ok. J'ai dû récupérer une bombe, un truc comme ça. Oh. Et des nouvelles munitions. Très bien. Très bien, très bien. Alors c'est pas exactement un sniper qu'on a en fait. Hein. Ils sont très nombreux. Hein. Il y a ceux d'en face. Alors 1, 2. Il y en a un en haut je crois. 1, 2, 3, 4. Ils ont pas l'air nombreux mais ils sont très nombreux. Hein. J'aimerais attendre qu'ils se retournent. Retourne-toi. Ah ouais, il y en a un en haut. Putain, si j'avais anticipé, j'aurais pu le buter assez rapidement. Attendez, là, il va pas me voir. Putain, il regarde totalement dans ma direction. Donc là, pour ceux qui se demandent sur quoi ils tirent depuis tout à l'heure, ils sont en train de tirer sur le front de l'autre côté, donc chez le Reich, en fait. Hein. Bon, tu te retournes quand tu veux, voilà. Il y a lui qui me fait chier. Je vais me faire cramer là si je le bute. Bah oui, il y a l'autre qui arrive. Non mais là par contre, comment j'ai fait? Comment j'ai fait dans le dernier épisode pour avancer? Ah c'est, il se retourne. Yes. Bah oui, mais l'autre il vient aussi. On va jamais y arriver. Fantôme.
Ok, je me suis fait cramer. Je pensais pas que je me ferais cramer aussi vite. J'ai pas compris. Très bientôt. Y a rien. Je suis pas là les gars, c'était pas moi hein. Bon, ils savent pas où je suis. Bon bah là je me suis fait cramer. Là je me suis fait salement cramer. Maintenant va falloir tenir le coup. Non, il est pas blessé, il est mort. Attends, il y a plein de munitions en vrai, il faut que je ramasse là. Putain, c'est ça qu'il faut que je fasse attention, il faut que je ramasse. Attends, là ça va monter. Ah, mais c'est qu'ils sont nombreux là, dis donc. J'ai plus de mun. Vite, ramasse, 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 ramasse. Ok, il y a des mecs badass, hein. Ok. Il y a des mecs relativement badass, j'aime pas ça. Attendez, laissez-moi le temps de recharger. Voilà. Lui là-bas il est loin, on s'en fout. Attendez à la limite. Les mecs qui sont loin, on va faire ça comme ça, regarde bien. Hop là, headshot. Ok, deux balles, il meurt. On peut s'en sortir. On peut relativement s'en sortir. Déjà j'ai l'impression qu'on s'en sort mieux que dans le dernier épisode. Ok, j'ai usé des balles, c'est pas grave. Ouais, attendez, c'est pas mal. C'est pas mal, j'ai l'impression qu'on se met bien, non? Je suis un peu tendu, hein. J'entends crier mais je vois personne. Alors il y a les ennemis en face là-bas. Ah si, ça arrive là. Bah voilà. Ah, on peut éteindre les lumières. Ok. Alors je crois que là on est bien. On va progresser. On va aller par là. Ok. On va aller par là. On peut pas aller là. Ok. J'ai du mal à voir les amis. Ça doit être pareil pour vous. Alors, on vient d'en bas. Hein. Bon, j'ai pas le choix, il faut que je continue par là du coup. Il faut que je continue par là, qu'est-ce que c'est? Très bien. Des munitions. Faut qu'on ramasse tout. Hein. Bonne nuit. Bon bah on va continuer par là. Faut faire gaffe à la lumière. Avec la lumière je suis cramé. Alors l'avantage c'est que j'ai de nouveau des balles dans mon snipe. Et donc là le mec qui est là-haut. Touché. Je crois que je l'ai eu. Je crois que je l'ai eu. Je sais pas comment on va faire pour s'en sortir. Je vois rien, les gars. Attends, les ennemis commencent à arriver là.
J'ai plus de mun. Ok, là ça commence à devenir assez embêtant. Alors je regarde si je peux pas récupérer, voilà. Un peu des munitions. Oh mais ils arrivent en plus les bâtards. Ok, là ça commence à devenir critique. J'ai plus de munitions. Soigne-toi. Va falloir qu'on reste par là les amis. Attends, là y a de la munition. Faut que je les attende. Je vais les attendre aux pompes là. Faut qu'ils viennent et je les mitraille. Lui là, regarde. Vas-y, viens. Viens frérot, au lieu de tirer. Ok, deux balles, ça meurt. J'aimerais bien récupérer. Ok, j'ai récupéré sniper. La cage, j'ai rien récupéré du tout. Ah si, c'est bon. Oh, là on est pas mal. Là on est pas mal les gars. Alors attendez. Là je me fais bien viser comme il faut. Toi t'es mort. Voilà, l'autre derrière aussi. C'est en haut les mecs, ils me font chier là. Par contre j'ai masse munitions. Et ça c'est exceptionnel. Ok. La pression est palpable. Ouais, il commence à s'énerver en plus. Bon, si je garde la distance. Si je garde la distance les gars, je pense que ça peut le faire. Personne vient de derrière. Bon, va bien falloir à un moment donné qu'on avance. Parce qu'on va pas avoir non plus des munitions à l'infini. Alors, est-ce qu'on peut passer par là? Ouais. Est-ce que c'est une bonne idée? Pas persuadé. Hop là. Ok. Putain, j'ai tendance à tirer de manière un peu aléatoire. Ça joue pas en ma faveur. Là-haut. Oh, lui il est mort. Oh, lui il se relèvera plus. Lui il se relèvera plus. Les gars, je crois que j'ai... Non, il en reste un là. Voilà. Je suis pas sûr. Mais j'ai l'impression d'avoir réussi mon coup. Hop. Je suis pas sûr. On récupère. On y va. Ok. Ok. C'est pas fini. C'est pas fini. On reprend le snipe. Ah, ils arrivent. Il y a du renfort qui arrive, j'aime pas ça. Ok, lui est mort. Bon les amis, si vous voyez pas les ennemis au loin, vous inquiétez pas, moi non plus. Là où il y a quoi? Ça sert à rien, ça sert à rien. Arrête, arrête. Reprends tes lunettes, voilà. Ok, ils arrivent en masse. Ah ouais, il y a un véhicule là. Il y a un véhicule qui arrive. Bon après ils savent pas où je suis. Et bah voilà. Alors est-ce qu'il faut descendre?
On va descendre. Ah bah y'a un gars juste ici, attendez. On va éviter de se faire cramer. Voilà. Alors. Comme d'hab, je ne veux pas ça. Ah, je suis pas bien. On va aller par là juste pour voir. Ah ouais, je pense que j'aurais pu passer par là. Un peu dangereux, on va pas y aller, ça m'intéresse pas. Allez. On va remonter. J'imagine que il faut continuer là-bas. Putain, à nous tout seuls, on aura défoncé je ne sais combien de gars. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok. Oh, c'est pas fini. Oh, on peut se cacher ici. Là aussi on peut passer, ça sert à rien. Ok. Alors comment on allume la lumière? Je sais plus comment on allume la lumière les gars. Je ne sais plus comment on allume la lumière. Et je viens de gâcher un couteau de lancer. Bon les gars, excusez-moi, j'ai du mal avec les touches du jeu qui sont pas forcément logiques des fois. F. Bah ouais. Ah, j'ai pas de lumière. J'ai pas de lumière. Bon, on va s'infiltrer par là. Hein. Bon, on entend des propos de propagande un peu. Ok. Ah, on éteint les lumières. Hein. Alors. Eh ben, c'est pas fini. C'est pas fini ce merdier. Genre il m'a vu. Genre il m'a vu. Bon, je veux du viseur laser. T'es mort. Toi, ça dégage. Ils ont l'air un peu cons. Hein. Ils savent pas d'où ça vient. Ah lui. Lui, il a très bien compris d'où ça venait. Bon, cette arme là, le petit snipe là, il est quand même pas mal. Hein. Alors j'imagine on peut descendre. Je vais pas te mentir que j'ai un peu peur de descendre. Les gars, je suis en pression. Est-ce que ça se remarque? Je pense que oui. J'ai jamais été aussi à fond. Je vais reprendre ma kalash. Ça va où là? Cul-de-sac. J'ai l'impression que mon truc de truc nocturne il sert à rien. Je vois pas mieux hein. Ok. Là, une note. Ah, ça va nous faire faire une pause. Le pire ennemi de la ligne rouge est indiscutablement le 4ème Reich et ces derniers affirment que leur guerre dure depuis au moins 100 ans. Alors pardon, je me suis trompé, on n'est pas au front encore, on n'est pas entre... Voilà, là on est toujours dans le parti communiste.
Et là on est en train de se rendre sur la ligne de front du Reich, mais on n'y est pas encore, je me suis trompé. Le conflit s'est même étendu à d'autres nations du métro qui, après avoir choisi leur camp, n'hésitent pas à se battre jusqu'à l'anéantissement Mutusi des forces en présence. J'arrive pas à lire. Le Reich est censé être l'exact opposé de la ligne rouge, alors pourquoi observe-t-on tant de ressemblances entre eux? Pauvreté et famine, travail forcé et rassemblement interminable, discours délirant des politiciens et regard éteint des foules. Ils partagent le même goût des slogans et des vérités toutes faites. Seule leur croyance les distingue. D'après ces fachos, l'extermination totale des mutants permettra de régler tous les problèmes. La pureté raciale ne suffit plus, place à la pureté génétique. Et comme la norme est définie par les politiciens, tout le monde peut être considéré comme un mutant. Cette épuration étant laissée à la discrétion des soldats, ce combat risque de se prolonger éternellement. Et le traitement qu'ils réservent aux espions n'a rien à envier à celui de la ligne rouge. Je dois donc tout faire pour éviter de me faire capturer. Ce qui me fascine avec ce jeu, c'est que par rapport à l'actualité, bref, excusez-moi. Non mais cette histoire de bombes nucléaires et de guerre, la troisième guerre mondiale qui va arriver potentiellement un jour, ouais, ça me fascine pas mal. Ça me fascine pas mal et ce jeu critique pas mal la société. Enfin, critique pas mal ce qui pourrait arriver. Et nous, on continue de progresser. Allez, je sais pas ce qui va nous arriver, mais il va nous arriver quelque chose. Ah! Oh, fils de pute! Oh! Non, je vais pas me faire capturer. Eh ben, je crois que je me suis fait capturer. Une fois que j'avais repris mes esprits, tout espoir s'était envolé. Les prisonniers des fachos servaient d'esclaves ou de cibles d'entraînement. Bon, bah, ça veut tout dire. Je me suis fait carotte! Super, tout ça pour ça. Pourquoi hésiter? On va buter cet espion rouge et en finir avec lui. Eh, ils font peur un peu, hein. On devrait pas appeler la Gestapo. Ok, donc ça c'est le Reich. Une éternité d'arriver jusqu'ici. Qui va surveiller ce port en attendant? On est du côté des nazis du coup là. Enfin, du Reich. Waouh. Je suis pas communiste. Arrête! Respecte-moi! Si tu nous supplies, réfléchiras peut-être à la possibilité d'abroger tes souffrances. Et dans ta gueule! Ah là 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 là, merci mon. Attends, mais c'est qui? Attends, me dis pas que c'est. Attends. Ce que j'aime chez les méchants, c'est qu'ils discutent toujours beaucoup trop avant de se décider à appuyer sur la gâchette. On est d'accord, c'est pas le mec du début qu'on veut retrouver. Non, c'est pas lui. Oh les gars, vous êtes méreilles. J'en ai eu les frissons les gars, j'en ai eu les frissons. Elle est bonne celle-là. T'as rien à rouge? Et bon sang, t'es qui? C'est la blague de Hunter. Ah bon, c'est pas Hunter alors. Quel que soit ton message, garde-le pour lui. Oh là là, on a une de ses chances. Oh là 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 là. Très bien, allons vers la voiture blindée. Oh là, je me sens bien avec vous les gars. Oh, je suis content les gars. Oh, je suis content. Pavel, tu le conduis dans la voiture blindée jusqu'à notre Drésine. Ensuite, on sera tout prêt. Il restera que la brèche et la station noire. Ce retournement de situation. Eh, hey, Melnik te filera une médaille si tu lui donnes des nouvelles de Hunter. Je m'occuperai de la mission. On se retrouve à la station noire. C'est énorme. Ok, on va être plus que deux du coup, les amis. Eh bien, sur cette tête de cadavre, on va s'en arrêter là pour cet épisode, les amis. Incroyable! Retournement de situation dans tous les sens et ça fait super plaisir. J'espère du fond du cœur que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. C'était Mkolo, des bisous. Ciao tout le monde.